Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Tous les jours, Seigneur, je mentionne Saint Joseph dans ma prière, à la messe aussi, tous les jours, le prêtre mentionne Saint Joseph. Et aujourd'hui, au début, au moment où je commence cette prière, Seigneur, cette mention de Saint Joseph prend une couleur toute particulière. C'est sa fête. Et c'est sa fête dans l'année qui lui est consacrée. J'ai d'ailleurs peut-être médité ces derniers jours les sept douleurs et les sept joies de Saint Joseph. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux me laisser accompagner encore par lui dans ma prière. Quel modèle de prière! Quel modèle, Seigneur, pour te contempler, pour t'adorer, pour te prier. Il a eu la joie de te contempler, de pouvoir poser son regard sur toi, petit enfant, dans la crèche, dans ses bras, endormi, à la maison, à table, tout simplement, dans des activités quotidiennes, à tout moment, il pouvait poser son regard sur toi, te regarder, te contempler. Au travail aussi, quand tu étais à ses côtés. À tout moment, il pouvait donc poser son regard sur toi et adorer son Dieu. C'est extraordinaire. Et il est pour moi, Seigneur, un modèle, un grand intercesseur pour que je puisse te prier davantage dans mes activités quotidiennes. Il lui suffisait de lever les yeux pour se tourner vers toi. Comme il me suffit peut-être quelquefois, Seigneur, de lever les yeux pour me tourner vers toi, avec peut-être un petit crucifix disposé discrètement sur mon bureau, quand je travaille, ou dans telle pièce. Saint Joseph est pour beaucoup un grand intercesseur pour trouver une maison, pour trouver un travail, et c'est vrai que pour lui c'est important de veiller sur sa famille et sur toute famille, sur nos familles, et de nous permettre de répondre à des besoins importants. Mais il n'est pas seulement un grand intercesseur pour la prière, Seigneur, pour le travail et la maison, pardon. Il est aussi, Seigneur, un grand intercesseur pour la prière, parce que justement, il t'a contemplé sans cesse, à la maison ou au travail. Et je peux lui confier, Seigneur, ma vie de prière. Il a protégé d'ailleurs, Seigneur, ton mystère, qui ne devait pas être révélé avant que ton heure soit venue. Il l'a gardé, l'a protégé. Comme je dois, Seigneur, protéger ma relation avec toi. Face à mon emploi du temps bousculé, face à mes distractions, je dois aussi, avec l'aide de Saint Joseph, protéger cette intimité que tu veux développer avec moi. Quel modèle, là encore! Et quel modèle tu nous donnes à travers Saint Joseph pour le travail? Le charpentier. Le charpentier connu, le charpentier reconnu, au point que lorsque, dans les évangiles, on parle de toi, Seigneur, on te nomme le fils du charpentier. N'est-il pas le fils du charpentier? La référence, Saint Joseph, charpentier. Et puis, toutes ces représentations dans nos églises, dans nos oratoires, peut-être chez nous aussi, où on voit Saint Joseph avec toi, Seigneur, enfant, adolescent, travaillant, à l'atelier, avec lui. Beau modèle aussi pour nous, pour ce travail consciencieux, en ta présence, en ta compagnie. Parce qu'en fait, aucune
des activités humaines ne t'est étrangère. Avec Saint Joseph, tu as vécu toutes ces activités et tu nous montres la valeur de toutes ces activités. Merci, Seigneur, de nous donner Saint Joseph comme modèle pour notre travail. Oui, il m'apprend à travailler, mais il m'apprend aussi à m'endormir. Oui, m'endormir, non pas au travail, bien sûr, ni pendant que je prie, bien sûr, même si, Seigneur, tu sais quoi en faire, évidemment. Non, Saint Joseph est l'homme des songes. Que de songes il a eu pour lui dire de ne pas craindre de prendre Marie, son épouse, pour lui dire de prendre l'enfant avec lui et de partir en Égypte, et ainsi de suite. Même la nuit, son esprit est tourné vers toi. Et moi, comment est-ce que je m'endors? Envahi de mes préoccupations de la journée? Perdu dans mes pensées? Fuyant le réel par mon imagination? Vagabondant même vers le péché? Ou tourné vers toi, Seigneur, comme Saint Joseph? Quelle joie, Seigneur, de pouvoir me tourner vers toi au moment de m'endormir. Et en plus, pour m'endormir comme Saint Joseph, tu nous as donné, Seigneur, un moyen. Parce que je peux me tourner vers la Vierge Marie, ta très sainte mère, ma très sainte mère, pour qu'elle vienne embrasser son enfant qui s'endort, comme elle a embrassé Jésus au moment où il s'endormait. Comme elle a, j'ose l'imaginer, comme elle a embrassé Joseph d'un chaste baiser. Et la Vierge Marie, lorsque je dis peut-être un « Je vous salue Marie » au moment de me coucher, juste avant de m'endormir, viens m'embrasser comme elle embrasse son enfant, pour qu'il s'endorme bien. Saint Joseph m'apprend donc à dormir, à m'endormir. Il m'apprend d'ailleurs à contempler la Vierge Marie. Je l'imagine aisément, regardant avec tendresse et admiration sa femme, la mère de son Seigneur, Jésus, Dieu sauve, à qui il a donné le nom. Qu'est-ce qu'il était bien entouré quand même, hein? Qu'est-ce qu'il était bien entouré, l'homme le plus heureux de la terre, passé tant d'années avec Jésus à ses côtés, avec la Vierge Marie à ses côtés. Et il m'apprend à les contempler tous les deux, à vivre avec eux chaque instant de ma vie. Vivre avec Marie, savoir qu'elle est là, poser le regard de son cœur délicatement sur elle. Voilà ce que je peux vivre à l'école de Saint Joseph, à travers tout ce qu'il m'apprend, à travers tout ce qu'il fait pour moi, en intercédant pour moi, à travers tout ce qu'il fait pour que je grandisse, en chrétien, en liberté, il est vraiment un Père, mon Père. Alors merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus de ne pas l'avoir gardé pour toi comme Père, mais de l'avoir donné à l'Église universelle comme Père. Merci de me l'avoir donné comme Père. Merci, Saint Joseph, pour tout ce que tu m'apprends. Et bonne fête. Je te remercie, mon Dieu, pour les bonnes résolutions, les inspirations, les actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Saint Joseph, ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.